hier oben auch. Schädigung, dass drüben am Augenspiegel sein sollten. Und das ist ja die herausstehende Fahrzeugkante. Ich denke, da sind wir uns einig. Ja, wir können noch auf jeden gucken. Fall, wie gesagt, hat es uns berührt, aber nicht uns. Ça s'est passé comme c'est comme ça que les gars conduisent en France. Voilà, en tout cas, nous on a failli mourir. Hein. Nous on a failli mourir dans un accident tout à l'heure. Mmh. Aber Schapp, richtig so gesagt. Ja, genau. Natürlich, sag genau. Ich doch. Und knapp. Die sagen aber jetzt nein. Ja, genau. Die sagen jetzt nein. Ja, ich höre jetzt gar nicht. Jetzt sehe ich nicht so richtig, aber ich habe richtig gehört. Ich habe schon schlafen, ich habe auch nicht gehört. Non, c'est sympa. Il y a une chose en Allemagne, s'il y a un petit truc, il y a quelque chose et il y a accident, on dit que vous vous arrêtez tout simplement. Disons qu'on a eu ça, vous voyez. Je sais déjà comment je fais mon travail. S'il vous plaît, ruhig et nerven mich nicht. Haben Sie mich gerade verstanden? Soll ich es Ihnen nochmal sagen? In aller Ruhe, oder wollen Sie sich mal irgendwo anders hinsetzen? Okay. Donc, je laisse, nous on laisse la police faire son travail, n'est-ce pas? Voilà, la police qui va faire son travail. Et voilà, la police a dit que nous on s'éteint, on reste à côté. Et voilà, c'est le monsieur qui va, il va gérer avec le monsieur. Il a failli foncer sur nous pour nous écraser. Et maintenant, il refuse. Donc, il veut foncer sur nous et après il fuit. Vous voyez un peu? Je ne sais pas si c'est comme ça que les gens conduisent en France. Aucune idée. C'est-à-dire que le désordre que vous avez là-bas en France, quand vous arrivez dans les autoroutes allemandes, il faut un peu apprendre. Il faut apprendre un peu à conduire. Vous voyez un peu? Hein? Je sais qu'en France, vous roulez comme si vous étiez au Massi Mokolo, vous roulez comme si vous étiez en Kouloulou. Vous voyez un peu? Et c'est un peu ça. Comme je vous dis là. C'est comme si au soir, on devait seulement vous dire que matin, ta joue est finie. Ah, vraiment de Dieu. La vie. Voilà, on laisse la police faire son travail. Donc, voilà la police qui va faire son travail. Et c'est tout. Voilà. Et c'est cette voiture-là, cette voiture française, hein, que vous voyez là, avec l'immatriculation là. Celle-ci. Celle-ci. Celle qui nous a connu là, du côté. Ja, was sagt ihr? Ja, was Sie willkommen, also ich bin bei live, also live Video. Hallo, ich bin nach Serbien. Donc, ich habe meine Amis là, voilà. Et, voilà, comme ça, la vie n'est rien, hein, la vie n'est rien. Donc, vous voyez pourquoi nous combattons, parce que si peut-être j'aurais fait comme ça et que vous comprenez que je suis mort, c'est pas moi qui conduisais, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui nous conduisait. Et voilà. On est sur l'autoroute, nous sommes en train de rouler à 140 km. Le gars sort avec un camion comme ça. Hein? Il sort à 180 km derrière nous. Allez, pape, il nous bouscule au champ. Je vous assure, la vie est terrible. La vie est terrible. Je vous assure, pour les amours de matin, tajo, on rit aujourd'hui, mais vous pouvez quand même être. Un petit courage, je vous jure. C'est-à-dire que ce soir-ci, vous deviez entendre que je suis mort. Vous savez qu'il ne fait pas les simulacres. Il ne fait pas. Hein? Il ne fait pas les simulacres. Mais il ne fait que des mousses bezahlen. Verstehst du? Des mousses bezahlen. In Frankreich. Ich bin so oft in Frankreich. Sie fahren so in Frankreich. Das passiert. Also, die ganze Zeit. Manchmal siehst du einen mit dem Auto, das ist komplett kaputt. Aber der fährt damit auf der Straße.
Verstehst du? Hier, wenn dein Auto hier vorne kaputt ist, dann musst du in die Werkstatt gehen. Aber in Frankreich fahren man so mit, auch wenn alles komplett zerstört ist. Dann genau, fahren sie so mit. Genau, ja. Dann fahren sie so mit bestimmt ein Jahr. Aber die Polizei sagt nichts. Aber jetzt in Deutschland geht es nicht so. Und manchmal auch in Frankreich, weil sie nicht so komplett, ich sag's mal, das Ordnung. Wenn ein Unfall passiert, flüchten Leute. Aber was er gemacht hat, ist einfach nur Fahrerflucht. Verstehst du? Er wusste schon, dass er was gemacht hat. Er musste irgendwie schon. Stoppen. Genau, er musste stoppen. Aber der wollte den Stopp extra ja, nicht, ich hab gesehen, die Kugel gespannt. Der wollte gar nicht. Und der wusste, jetzt geht er raus und macht, als ob er gar nichts weiß. Verstehst du? Ja, genau. Das war komisch. Genau. Also, donc, voilà. Ja. Quand maintenant, la police arrive, on appelle la police arrive là maintenant. Allez, on le stoppe. Il sort, il commence à faire comme si il ne connaît rien. Voilà, il commence à jouer le jeu de, hein, de l'innocence. Voilà. Hein? Donc, voilà, je suis hors du danger. Je suis hors du danger. Je suis hors du danger. Je suis hors du danger pour l'instant. Avant mon ami ici. Donc, si on mourait là, c'est que je suis mort. Hein? Ah, donc, c'est pour vous dire que je n'avais pas prévu, puisque je suis dehors pour mes activités, je ne devais pas faire. Il y a la déclaration du président Maurice Kamto depuis hier. Il y a la déclaration du président Maurice Kamto depuis hier. Je devais décrypter ça. Je n'ai pas encore eu le temps. Peut-être demain, je ne dois pas avoir le temps. Mais, parce que exactement, je n'étais pas à la maison, vous voyez un peu. Et voilà, comme ça, quelqu'un pouvait sortir. Voilà, il met sa tête ailleurs. C'est pour vous dire que le combat que nous menons seulement le combat. Parce que même si vous ne mourrez pas dans le combat, vous pouvez mourir ailleurs. Ça pourrait être moi, ça pourrait être une autre personne. Et ça pourrait être un accident qui a emporté quelqu'un. Et c'est comme ça la vie. Donc, je vois les gens qui disent que non, 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 matin, tard, tu n'as pas peur, on peut te tuer, blablabla. Moi, j'ai dit que je m'en fous. Tuer qui ne va pas mourir sur cette terre. Si vous ne mourrez pas sur le stade du combat, sur le terrain du combat, vous pouvez mourir autrement. Hein? Vous pouvez mourir autrement. Vous pouvez mourir autrement. Hein? On voit un peu. Non. Non, je ne fais pas. Non, je ne suis pas. Vous savez que les Camerounais, je ne suis pas un combattant qui fait les simulacres, je ne suis pas dans l'auto-victimisation ou quoi que ce soit. Je ne fais pas les choses pour vous faire. Quand il parle, je vais dire. C'est-à-dire, dire les choses pour vous, pour m'attirer une compassion. Non. C'est un fait qui s'est passé. Je ne vais pas aller dire que c'est les gens qu'on envoie pour me tuer. Je ne fais pas ce genre de combat. Quand je dis un truc, c'est que c'est clair. Ou un peu, c'est que c'est clair. C'est que lui, ce n'est pas un noir, c'est un blanc. Que ce, quelque chose derrière ou pas, mais que ça ne vient pas de moi. Je suis quand même, il y a quelqu'un qui a une certaine lueur d'intelligence. Donc quand je parle, vous me suivez parce que vous savez que je ne suis pas là pour jouer. Je ne peux pas parler comme un gamin. Vous comprenez un peu. Je ne vais pas vous dire des choses comme quelqu'un qui est en train de jouer. Ce n'est pas dans un combat de jeu. Ce n'est pas une projection cinématographique. C'est-à-dire que je dis ce qui tient. Vous voyez un peu. Si c'était un noir, je peux encore dire que mais, peut-être le gars, si on l'envoie, mais là, c'est un blanc. Et il paraît qu'il a même les marchandises dans son camion. Là. Une idée de. Gefahren oder wie? Was gibt da im Auto? In seinem Auto? Keine Ahnung, okay. Aber ich weiß nicht. Das ist comme si alle Marchandises dedans. Ouais, c'est comme si c'est la voiture d'une entreprise. Donc je ne pouvais pas dire ça. Je me dis qu'il a fait une faute sûrement, ou bien pourquoi, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, qu'une fois qu'il nous a frôlé de côté, une fois qu'il nous a bousculé, il devait au moins s'arrêter. Il a fui. C'est là où maintenant notre chauffeur appelle maintenant la police. Et la police attrape. En fait, ce que je veux dire, c'est que on comprend clairement que ce sont des Français. Et ils sont spécialistes dans l'art de la filouterie, du voyoutisme comme ça, ces Français. Et c'est pour ça que je déteste la France jusqu'au dernier de mes jours. Je déteste ce pays. Un Allemand ne peut pas causer un accident sur l'autoroute, il se lève, il part. Impossible. Moi, ici, je ne peux pas causer l'accident sur l'autoroute, je pars. On appelle ça ici fahrer flucht. On peut même vous retirer complètement le permis. Complètement. C'est-à-dire, on peut vous enlever le permis pour toujours à cause de ça. On peut vous enlever le permis complètement pour ça. Non, c'est pas un auto européen. Bon, peut-être. Mais voilà sa plaque d'immatriculation. Voilà sa plaque d'immatriculation, voilà. Français. Sa plaque d'immatriculation française. Avec à la citoyenne, je pense bien. Avec la citoyenne. Avec la citoyenne. Bon, là où il est là-bas, il va payer très cher. Il va payer très cher. Il va payer très très cher.
il va payer très cher. Il ne sait pas si la portière de cette voiture là qu'il a pris là, vous voyez un peu ici là, hein? Il ne sait pas si la portière. En fait, j'étais en train de filmer, la police m'a demandé de quitter parce qu'ils ont vu que j'ai lancé le live. Vous voyez un peu. Il a touché complètement la portière de derrière et j'étais assis juste à côté de, de la portière là. Donc non seulement sur le côté pouvait nous prendre, voilà encore le renforcement, la police qui arrive encore notre. Donc à côté où j'étais assis, non seulement si vraiment il avait pris une pression, il allait m'écraser là-bas, mais aussi lorsqu'on a bousculé vers le champ, hein, on pourra, donc en fait, c'est une chance, parce qu'on était entre le salopard et le panneau. C'est une chance, tout simplement. Donc, parfois, vous voyez comment la mort... Il y a un comédien qui disait qu'il peut te gifler et tu vois la mort passer en bleu-blanc. Donc, parfois, vous voyez la mort passer devant vous comme ça. Et j'ai vu la mort passer devant moi. Je conduis, vous savez. Mais je ne peux pas faire ce genre de faute. Quitter par derrière pour cogner quelqu'un, ça, c'est vraiment, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Tous les chauffeurs peuvent faire les fautes. On peut faire les fautes. Mais pas le genre que j'ai vu là. Hey! Knapp! Während wir schon gestorben. Ja, dann sag ich. So knapp, ja? So knapp. Ja? Ja? Brauchst du? Nein, ich brauche ihn nicht. Oh, ne fume malheureusement pas. Ich hab eine Seite über 150.000 Leute, die mich verfolgen. Ich bin politischer Aktivist, weißt du? Ja, HGB und Diktatoren. Ja, genau. Siehst du, dann schon 600 Leute. Ja? Ich sag dir meine Facebook-Seite danach, kannst du auch dich abonnieren. Ich hab kein WLAN. Ja, ich sag dir danach. So. C'est un peu ça. Donc si je mourrais là, c'est que je suis parti à mon ami ici. Voilà. C'est qu'on est parti. C'est qu'on. On va dire que les gens ont passé à dire que Martin était à jour pour bien l'avait tué alors que c'était un accident. Alors c'était un accident, je pense un accident normal. On voit un peu. Mm-hmm. Donc je profite au moment que la police gère l'affaire pour vous dire que le président Maurice Kamto, parce que l'accident ne va pas me faire oublier mon combat. Le président Maurice Kamto a tracé la voie à suivre. Mesdames et messieurs, chers Camerounais, dans une résistance, il y a quelqu'un qui dit qu'est-ce que vous avez sur l'autoroute, c'est quand même terrible. Vous ne voyez pas qu'on sommes sur l'autoroute là, vous ne voyez pas les camions garés là-bas, vous ne voyez pas. L'autoroute passe là, on a juste cherché une place pour partir. Voilà, la police gère. La police va gérer l'affaire. La police va gérer. Est-ce qu'on se dérange ici? Même ceux qui parfois ils viennent, ils intimident les gens là. On vous dit toujours que quand vous vous amusez ici, quand vous avez intimidé quelqu'un, de le tuer, de le taper, de l'arrêter ou quoi, quand on appelle la police, c'est vous qui gérez à la police. Je ne suis même plus là. Vous mettez seulement les preuves, vous sortez. Vous restez en retrait. La police gère avec la personne. Puisque la police a déjà vu qu'il a causé le tort. Je n'ai plus le droit de rester là-bas. Ça a lui maintenant de gérer. Pourquoi il fuyait? C'est ça le problème. Pourquoi il fuyait? Sa peine va doubler. Bon, je reviens. Le président Maurice Kamto a tracé la voie hier, n'est-ce pas? Et alors, dans une résistance, en fait, dans l'histoire de toutes les résistances contre les dictatures, il y a toujours un leader qu'on suit. Il y a toujours un chef de la lutte. Il y a un chef du combat, il y a un chef de la résistance qui donne le cheminement, qui trace la direction, qui donne la vision. Et dans le cas actuel, nous avons une chance d'avoir dans la résistance camerounaise au 21e siècle aujourd'hui, eh bien, les représentants de Oumniobé, de Ruben Oumniobé, de Martin Paul Samba et de tous les autres qui assurent la continuité de la lutte et qui tracent la vision. Le président Maurice Kamto, c'est le leader de notre résistance. Il a été, il est, il en sera. Et nous le suivons. Dit qu'on le suit ne veut pas dire que nous sommes des moutons de panurge. Nous utilisons notre propre intelligence, ok, pour porter son combat, le combat de tous les Camerounais. Martin Tajo, je passe au temps à danser Kamto, Ayop, Kamto, sauve-nous. Il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas aujourd'hui là que je ne dois pas changer aujourd'hui comme ça, du jour au lendemain, comme un caméléon. Zéro. Moi, je suis quelqu'un de constant, de cohérent et d'objectif dans ce que je fais. Donc, c'est-à-dire quand je serai à la maison là,
Je vais remettre encore par Kamto sauver nous. C'est dans ça, c'est juste parce que ce n'est pas seulement Kamto qui va nous sauver, c'est chaque Camerounais qui va se sauver. Donc nous utilisons notre propre intelligence pour mettre en jeu tout en suivant celui qui est devant et qui donne les directives. Combien de fois vous m'avez écrit pour dire Martin Tajo, après Genève, quelle est la direction à suivre? Quelles sont les nouvelles orientations? Oui, le président Maurice Kamto qui est le leader. Son mal peut-être c'est d'être également le président d'un parti politique. Ce qui fait que quand on le soutient directement, on vous dit que vous êtes du MSC. On peut ne pas être du MSC, mais soutenir cette personne parce que il est au devant de la scène et nous le suivons. Ça c'est clair. Nous ne sommes pas des moutons, mais on voit que c'est clair, il est du côté de la justice et nous le suivons. Vous voyez un peu? Peut-être son mal c'est d'être à la tête d'un parti politique. Il n'aurait pas eu le parti politique, mais il restera leader de la résistance. Parce que c'est lui qui a tracé le plan national et international de la résistance pacifique contre le hold-up 1 de 2, contre le gré à gré, contre le hold-up gré à gré, ça c'est la même chose, contre la dictature que nous voyons, contre le crime à la fortune publique. Les 2000 milliards jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas encore donné on ne nous a pas encore donné les explications. On ne nous a pas encore donné les raisons pour lesquelles on a détourné cet argent qui était destiné à construire des infrastructures devant servir à abriter une compétition d'une envergure internationale comme la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont détourné cela pour aller se muscler les poches, pour aller gonfler les comptes dans des paradis fiscaux en Suisse, fait tourner l'économie à l'Occident pendant que notre propre peuple souffre et meurt de faute, manque de couveuses à l'hôpital, en pleine capitale politique d'un pays. C'est gravissime. C'est gravissime. Et on ne peut pas tolérer ça. Et à côté de ça, le plan national et international de la résistance pacifique est également contre la guerre dans le nord-est et le sud-ouest. Et donc le président Maurice Kamto, qui est le leader de cette résistance, continue et a sacrifié même l'avenir de tout son parti, tout simplement pour que la guerre soit d'abord, pour qu'on mette d'abord fin à la guerre avant, d'organiser toute élection. Il a sacrifié tout un parti, avec tous nos jeunes, la jeunesse, nos jeunes frères, les Fautin que vous connaissez, les Roland Diou, les Olivier Bibou, Nissa, tous ceux que vous connaissez là. Mais on l'a fait. Et ils se sont pliés, pourquoi? Parce qu'il s'agissait là de l'avenir du peuple camerounais, vous voyez un peu. Il s'agissait là du devenir, n'est-ce pas, du peuple camerounais. Et voilà, c'est un peu ça. Voilà la réalité. Et nous plions. Un monsieur qui fait ça, mais il faut comprendre qu'il porte les Camerounais dans son cœur. Il porte les Camerounais, il mène un combat avec conviction. Et pourquoi est-ce que le président Maurice Kamto qui mène ce combat avec conviction et qui place l'homme au centre de ses préoccupations, pourquoi du jour au lendemain vous voulez que moi, Martin Tajo, je mène un combat, je le mets hors de mon combat? Je ne peux pas, jusqu'à ce qu'on coupe ma tête. Hein? J'ai eu le concolibon à l'espace d'un an. Vous voyez ça? Les gens m'insurgent, concolibon, avec ta tête de concolibon. Regardez mes photos, il y a de ça seulement un an, jusqu'en 2019. Je n'avais pas le concolibon. Regardez, la photo qui est sur ma page date encore d'un an et demi. Là, j'ai tous mes cheveux en place. En l'espace d'un an, il n'y a pas le concolibon dans ma famille. J'ai eu le concolibon, c'est quoi? Le stress, la recherche des informations, tout dans des sites de recherche, FMI, Banque mondiale, tout ceci, dans les sites pour rechercher les informations, pour édifier le peuple camerounais et porter porter les idées que le président Maurice Kamto nous donne pour décliner afin de sensibiliser les Camerounais dans l'optique de la prise de conscience massive. Car l'avenir du Cameroun, notre destin nous incombe, nous tous. Voilà la réalité. Vous voyez un peu? Mais je m'en bats les couilles. Je ne cède pas à ça. Je fais mon travail. On dit ceci. C'est un devoir moral. Et il faut que chacun, le jour qui va mourir, si l'accident s'y m'emportait tout à l'heure, c'est que dans quelques secondes, je suis devant le Seigneur. Je serai en train de lui dire, mais Dieu, Jésus, mon Père, Papa Tout-Puissant, j'ai rempli mon devoir sur la terre. Je n'ai pas blessé quelqu'un, je n'ai pas médit sur quelqu'un, je n'ai pas menti sur quelqu'un, mais je me suis levé contre une dictature, contre une répression, contre une violence, contre un mépris et contre les arrestations arbitraires, contre les kidnappings, les déportations, contre les embastillements, contre le massacre de nos populations, la torture de nos confrères dans les geôles du Cameroun. Je me suis levé pour dire au système dictatorial de M. Biya de ne plus tuer les gens en zone anglophone. Je me suis levé pour leur dire qu'on ne peut pas gagner la guerre contre son propre peuple. Eh bien, je me suis levé pour leur dire
de créer des conditions de désescalade, de libérer tous les prisonniers politiques arrêtés, aussi bien dans le cadre de la résistance, de la crise, de la guerre dans le nord, au sud-ouest, aussi, ainsi que dans le cadre, n'est-ce pas, de la crise post-électorale. Je me suis levé pour dire que pourquoi on évite qu'après chaque élection au Cameroun, on se retrouve dans la rue en train d'essuyer les balles réelles. Il faut qu'il y ait un système électoral consensuel, c'est-à-dire qu'on reforme le système de telle façon que les militants